Zombie apocalypse. Hey yop les potes, c'est Nirmax, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça va changer un petit peu. On se retrouve du coup sur du Pokémon Go. Ça fait un moment que j'y ai pas joué. Je suis même pas sûr qu'il y ait encore du monde qui joue. Mais je trouve un petit spot à Magikarp. Et pour les personnes qui jouent encore, et potentiellement peut-être des personnes qui fly sur Pokémon, vont pouvoir être intéressées du coup par ce petit spot à Magikarp et Léviator. Voilà, regardez, un petit Magikarp IV82 en plus, c'est parfait. Hop. Donc là, on prend. Bang. Et c'est un bon gros spot, donc ça vous permet de faire une dizaine, vingtaine de kilomètres en plus à chaque fois. Et c'est vraiment génial. Regardez, 700 de bonbons Magikarp. Hein. Hier, je devais être aux alentours des 300. Voilà, on va juste mettre le petit encens en même temps. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans l'encens? On n'a rien. Là, vous voyez, hein, c'est en gros cet endroit. Voilà, c'est tout ça là qui va suivre. Après, de toute façon, vous allez voir, hein, je me déplace en même temps. Donc, vous allez bien voir. Mais c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, c'est le spot à Magikarp. C'est vrai qu'il y a un autre spot que j'aimerais trouver. C'est le petit spot à Draco. À Mini Draco. Bon, on a déjà le spot à Magikarp, c'est pas mal. Il ne manque plus que le spot mini Draco et on est bien. Mystère, on va le prendre. Hop. Bon, là, vous vous demandez peut-être pourquoi ça fait des excellents et tout à chaque fois. Mais voilà, les gars. Le petit spot à Magikarp, bien tranquillement. Donc, on va se faire une petite session. On va essayer d'en attraper une petite dizaine, une petite quinzaine, histoire de vraiment vous faire voir que ce n'est pas des mythos. Mais bon, vous l'avez déjà vu, on en a attrapé un depuis le début. Alors c'est pas à ce niveau là, hein. C'est que là normalement j'avais mis ce niveau là pour aller faire un peu les Pokéstop, mais j'ai déjà fait ma petite recharge avant de faire la vidéo, comme ça je savais qu'on allait pouvoir en prendre pas mal. Donc là, hein, vous laissez, voilà, vous marchez. Puis dans tous les cas, c'est un spot à Magikarp, donc à n'importe quel endroit il peut y en avoir un qui spawn. Là il peut y en avoir un qui spawn à gauche, là je fais du tout droit, mais il suffit juste que je tourne à droite et que je change un petit peu ma direction et ça se trouve il y en a un à 2 mètres de moi à droite. C'est vraiment aller n'importe où, marcher n'importe où, et vous allez voir, ça fonctionnera peut-être. C'est... Pensez pas ça fonctionnera. Peut-être, c'est ça fonctionnera. Pourquoi j'ai que 13 minutes d'encens? Normalement, c'est pas une demi-heure ou une heure, ça? Ah, j'aurais peut-être dû attendre toute la journée? Je sais pas. Oh, coucou toi. Quand je vous dis que les gars, c'est vraiment un spot. Ah non, il fait partie de mon. Ok. Il fait partie de mon enfant. Bon. On va l'attraper. Oula. Et oh, gentil poteau. Bon, j'abuse peut-être un peu, hein, mais. On va mettre une baie frondée. Mais c'est qu'on préfère être sûr histoire de l'attraper et pas louper trop de Magikarp. Parce que quand vous attrapez un Pokémon, vous loupez potentiellement des spawns de Magikarp qui sont atterris vraiment à côté de vous. IV80, on bouge. C'est quoi ça? Je crois que je l'ai déjà lui. Hein. Ah, je l'ai peut-être pas. Hein. Merde. Je pense que si je l'ai. Mais... On va voir ça tout de suite. Si je prends plus de 2000 XP, c'est que je l'ai pas. On l'avait déjà. Ok. Est-ce qu'on a loupé un Magikarp quelque part? J'ai envie de retourner en arrière pour voir si on n'aurait pas loupé un Magikarp. Ah bah voilà. Hop, un Magikarp ici. Bon. Si ça prend pas trop de temps les gars, on va essayer d'aller chercher un Magikarp Shine. Au pire on coupera la vidéo si ça prend trop de temps et dès que j'en aurai un je remettrai play juste histoire de l'attraper avec vous. En plus c'est cool parce que je prends 6 bonbons par Magikarp là. Ah, lui fait partie de mon encens, attendez, je vais le prendre quand même, parce que j'ai une quête à faire avec les encens. J'ai une quête à faire avec les encens. Oh, par contre, frérot, rentre. Tu mets des excellents à lancer effet, là, et ça rentre pas. Non, mais ouais. Voilà, je préfère. Du coup, paf, on a un petit mystère ici, on s'en fout totalement. Là, il y a quoi? Il n'y a pas trop ce qui nous intéresse ici. On va juste faire un truc. Hop, hop.
Personne qui est shiny. Lui, j'ai l'impression qu'il fait partie de mon encens là-bas par contre. Mince. Ça y est. Calme. On va le prendre parce que du coup pour mon défi j'ai pas le choix de faire des trucs. Putain, ils me font perdre du temps les cons. Ils me font perdre du temps. C'est pas grave, on dégage. Hop. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Pas grand chose, j'ai l'impression. Il fait partie de mon encens, lui? C'est un what-what? C'est un what-what mélangé à un autre truc, ça. Ouais, un macaron. Et il fait partie de mon encens. Bon, bah, je vais le prendre. On n'a pas le choix. C'est pour le défi. Non, mais frérot, merde. Allez, il va rentrer gentiment. Il nous aura fait perdre un petit peu de temps. On le dégage vite et on a loupé, je suis sûr, on a loupé un Magikarp dans le. Je suis sûr qu'on a loupé un Magikarp. C'est sûr et certain. C'est tellement un spawn. Là, on en a eu deux depuis le début, c'est pas normal. Deux en 6 minutes, les gars, je vous dis, des fois en 6 minutes, j'en attrape 10. C'est vraiment. Des fois en une. Enfin, vous allez voir, de toute façon, par vous-même. Des fois, en quelques temps, c'est vrai qu'on en attrape vraiment très, 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 très beaucoup. Mais vous allez le voir. Il y a forcément un moment où ça va arriver. Forcément un moment où on va tomber sur un spawn où il y en aura 5 côte à côte. Attendez, je le prends aussi. Je fais partie de l'encens. Frérot! Tu me fais perdre du temps, là. Rentre, dépêche-toi. Merci. Du coup, mais gros, c'est combien? J'ai l'impression que la quête, elle avance pas. Je crois qu'on va arriver. On est où là? On va bientôt arriver à un endroit où il y en a pas mal. Normalement, si je me trompe pas et si je me souviens bien d'hier soir. Parce que oui, hein, là, je vous tente ça à 17h52, mais c'est que j'ai vraiment passé ma nuit entière, les gars, à aller choper des Magikarp. Pour en avoir 700 là. Attendez, parce que j'arrive plus à me repérer du tout là. Ah si, c'est bon. Si, c'est que là on était derrière. Ah ouais, on a vraiment pas fait beaucoup de chemin. Hein. Ah ouais, si, c'est bon les gars, c'est normal. C'est normal. Vous inquiétez pas. Bientôt on va commencer à. Ah, je l'ai eu direct lui. Ok, bah tant mieux. On transfère, on supprime. Allez, là ça va. Non, il faudrait qu'on aille plus vers la droite. Parce que le gros spot à Magikarp là se trouve là où je vais vous mettre le doigt à peu près, par là. Voilà. Bon, vous le voyez pas parce que je suis en bref. Mais voilà les gars, c'est vraiment un spot à Magikarp. N'hésitez pas, hein, si vous voulez que je vous donne exactement l'endroit exact, vous me le dites. De toute façon vous allez voir. Vous allez voir là pour le moment on en a chopé que deux. Mais vous allez voir bientôt là. C'est vraiment un endroit formidable pour choper des Magikarp. Je vous dis, en une soirée, j'ai fait combien de bonbons? J'ai dû faire 400 bonbons en une soirée. 400 bonbons, ça fait 100 Magikarp attrapés. Hein. 100 Magikarp attrapés, les gars, c'est énorme. C'est quoi ça? Je connais pas lui. Franchement, 100 Magikarp attrapés, les gars, c'est énorme. Surtout en une soirée. Surtout en une soirée. Lui, je l'avais pas, je crois, je sais plus. Hop, un autre Magikarp ici. Vous voyez, hein, c'est vraiment. Attendez, pour les Magikarp, on va prendre les Pokéballs. C'est pour ça qu'on a été en chercher.
Je vais faire des pauses et on mettra play à chaque fois qu'on en a un au pire. Hop, tac. Bon, j'ai dû mettre une petite pause de mon côté. Excusez-moi, mais je pense qu'on va faire ça. Je vais mettre en pause et dès qu'on va tomber sur un petit Magikarp, on mettra play. Quoique non. Au moins ceux qui veulent vraiment voir s'il y a des Magikarp. Ouais, non, c'est mieux. On va laisser faire tranquille. Hop, bon. Maintenant, on va se concentrer sur les Magikarp. Putain. J'aurais pas dû mettre dans ça, en fait. L'ensemble fait chier. Je pense que l'ensemble m'a fait perdre pas mal de spots. Ouais, flemme. Flemme de me combattre avec un Pikachu. J'ai pas le temps. Je pense qu'on va le faire à pied sinon le parcours, parce que là on a suivi un parcours qu'on avait déjà tracé. Oh, c'est qui ça? C'est qui ça? Ah frérot, vas-y. Casse-toi. Hop, et voilà, un autre Magikarp ici. Merde, j'ai cru que c'était avec l'encens. Dommage. Donc voilà, en gros, en venant ici, vous avez du coup des spots à Magikarp. Donc, 90% de chance. Je suis vraiment. Attendez, je vais recommencer ma phrase parce que je me suis. Vous avez, ouais, vraiment, je pense, 80. Entre 80 et ouais, 80% de chances de tomber sur un Magikarp si vous restez vraiment en plein milieu de cette zone. Vous bougez là-bas, là-bas, vous venez au milieu ici, là, et vous restez vraiment dans toute cette zone-là. Sinon, vous allez voir, là, ça va commencer normalement. Après, ça se trouve, il y a peut-être vraiment des horaires. Hein. Là, on en a trouvé, mais hier, c'est vrai qu'hier soir. Je peux pas voir combien j'en ai attrapé hier soir. Ah non, j'ai pas vu ce qu'il y a hier soir. Mince. On s'en fout. Voilà. Au moins ça maintenant c'est fini. Et là on va pouvoir se concentrer sur les Magikarp. Hop, on en a un ici. Qui n'est pas shiny. Oh, putain. Je veux mon shiny. C'est clair et net. J'ai passé 5 heures hier soir pour trouver mon shiny, je l'ai pas eu. Bon, j'ai eu 400 bonbons Magikarp, c'est pas mal, je trouve quand même. 400 ou plus, hein, je sais plus, j'étais aux alentours des 300 bonbons hier. Après, je l'ai mis en compagnon, j'ai fait pas mal de kilomètres avec. Donc, ça aide aussi un peu. Mais ouais, j'ai dû en attraper pas loin d'une centaine. Je pense que je vais continuer à pied parce que là. Ah oui, après aussi, c'est que je fais mes œufs. Excusez-moi, les gars, mais regardez si je passe direct en 30 km/h. Vous allez voir. Déjà. Ah ouais, mais ça va beaucoup trop vite maintenant. Mais vous voyez, hein, chaque fois qu'on arrive à un endroit, il y en a un. Non,
Non, ça va trop vite là. Ça va trop vite. On va faire un truc. Hop. On va aller les chercher nous-mêmes. C'est que je connais un peu aussi les endroits maintenant. J'ai quand même passé 6 heures hier. Dessus. Pardon. Ah, hop. Oui, lui qui spawn ici, là, on comprend pas pourquoi. Donc, des fois, vous allez en louper qui sont à 1 ou 2 mètres de vous, qui n'ont pas spawn. C'est comme ça. Mais bon, vous faites demi-tour, vous tomberez forcément sur un. Ah là, là, ça commence, ça y est. Vous avez vu, on a changé en nombre de kilomètres. Et direct, on en trouve beaucoup plus vite. Voilà les gars, petit spot à Magikarp, comme je vous avais dit. C'est pas des lol. Hop. Normalement, par ici, il y en a quelques-uns. Par ici, il y en a toujours un petit peu. Voilà. Je sais qu'il y a un Pokéstop pas loin, des fois il peut y en avoir à côté aussi. Après, de toute façon, on a déjà pris quelques spawns. Donc on va juste retourner un peu en arrière et puis. Je crois que c'était par. Ah, mais je suis pas du tout au bon endroit. Je suis où? Ah, bah si, je suis au bon endroit. Ah, c'est qu'habituellement je le fais passer là. Ok. Je suis pas sûr d'en trouver là où je vais par contre. Donc on va faire demi-tour parce que je suis vraiment pas sûr d'en trouver. On va faire un truc. Juste histoire de vraiment vous faire voir que ça fonctionne pour la vidéo. On va passer à 60. On va aller là-bas. Après, vous avez vu déjà, on en a croisé pas mal. Voilà, vous vous baladez là tranquillement et puis vous cherchez vos Magikarp. Ça peut vous prendre un petit peu de temps, en tout cas ça peut être très rapide. C'est vraiment. Hop, le temps de votre attrape de Pokémon, vous repassez à 0 ou 9 km. Ah bah. Là, on va juste passer à 0 du coup, histoire d'avoir les deux. Mais là, vous le voyez bien. 3-4 côte à côte. 3-4 côte à côte, c'est énorme. Mais je veux mon Shiny. Ouh, IV86. Pas trop mal, mais on dégage. Bah écoutez, on va continuer une petite marche à 30. Hop. Bon, on va attendre de tomber sur un. Quoique, je viens de réfléchir et je vais peut-être vous laisser tout en lecture.
Comme ça, au moins, vous voyez tout ce qu'il peut y avoir. Parce qu'il n'y a vraiment pas que des Magikarp. Hein. Des fois, il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup de mangriffes, etc., etc. Mais je vais pas tous les citer, donc vous le verrez par vous-même. Potentiellement, il y aura peut-être d'autres Pokémon que des Magikarp qui pourront vous intéresser à cet endroit-là, les gars. Hop. Et nous, pour le moment, on continue notre route Magikarp bien tranquillement. Putain, ils sont nuls. Hop. Nous, on veut notre shiny. Et voilà, en gros, c'est une petite astuce, un très bon spot à Magikarp, surtout pour essayer d'avoir beaucoup de Magikarp, pour essayer forcément également d'avoir beaucoup plus de chances d'obtenir un shiny. Et d'obtenir du coup un Léviator Shiny, même un Léviator, etc., etc. Vous avez beaucoup plus de chances d'attraper un IV 100 également. Tout simplement. Hein. Magikarp, 91 ici. Magikarp 100. Enfin, vous voyez. Hein, je vous mens pas les gars. Tout est là. Et c'est par ici hier que j'ai dû attraper mon... J'ai attrapé un Léviator. Il y avait un Léviator ici, là, à peu près. Attendez, je vais mettre le point là où il était. Il était là où j'ai mis le point. Et le Léviator s'est transformé en... j'ai pas compris. En ça. Voilà. J'ai pas tout pigé. En même temps, je comprenais pas trop. Un Léviator qui avait 100 PV, je crois. 200, 300 PV, à peu près. Ok, là, on va aller vers le spot du départ. Là il y a un mangriffe, donc on va aller plus par là. Repérez-vous bien par rapport au Pokémon, les gars. Vous voyez comment il spawn, voilà. Vous voyez hein, ce que j'avais dit, plus par là, hop, j'y vais, boum, il y en a un. Repérez-vous bien par rapport au spot des Pokémon qui peuvent former souvent un triangle sur les spots. Donc si vous savez qu'il y en a un qui est là, vous pouvez prétendre qu'il y en aura un autre qui sera pas très loin. Comme par là. Là maintenant je m'attends peut-être pas à un Magikarp, mais comme c'est un spot à Magikarp, on peut avoir des Magikarp à n'importe quel moment. Donc vraiment, voilà. Déplacez-vous partout les gars. Une fois que vous les avez pris là, forcément, va falloir attendre quelques minutes avant qu'ils respawnent à cet endroit-là ou un peu à côté. Donc c'est pour ça, bougez beaucoup dans ce gros rayon. Donc, vous avez vu, là je suis revenu quasiment au début. Le début c'est tout là-bas. Là. De toute façon, je vais vous y emmener, vous allez voir. Donc vous voyez, en fait, j'ai fait un grand tour. J'ai fait là, hop, tac, tac, tac. Je suis passé par là, par là, par là. Là, j'ai mangé là-bas. Enfin, voilà, c'est vraiment un grand tour et dans ce grand tour, vous avez vraiment de quoi choper. Bah des Magikarp, surtout des pas. Je suis beaucoup sur les Magikarp parce que de base c'est une vidéo du coup pour le spot à Magikarp, mais vous avez de tout les gars. Vous avez de tout. Après j'y suis que depuis hier donc je pourrais pas vous dire exactement ce qu'il y a. Mais déjà Mangriffe c'est sûr, Magikarp c'est sûr. Il y a beaucoup de Ponyta. Ça là les Macarin je crois que ça s'appelle. Mais voilà, c'est surtout les Magikarp. Hein. C'est surtout les magiques. Là tout à l'heure il y en avait un ici. On va essayer d'aller par là. Parce que là il y en avait un là et un derrière. Donc, potentiellement il peut y en avoir un peu plus haut. Après là on revient quasiment sur le spot de départ. Donc il y a déjà des Magikarp qu'on a pris au début qui en respawn. Ça fait 25 minutes de vidéo. Il y a même potentiellement 3 spots de Magikarp déjà. Donc même si vous restez dans ce périmètre là les gars. À 9 km/h, vous pouvez largement en trouver. 9 km/h, c'est pour faire vos œufs. Si vous allez plus haut, vous faites pas vos œufs. Bon, il y en avait pas malheureusement ici. On va retourner en plein milieu par là.
Et on va passer en vitesse 60. Vitesse 60, vous avez potentiellement moins de chances d'en trouver parce que vous allez plus vite. Mais comme vous allez plus vite, vous pouvez aussi en plus en trouver, ça dépend. Parce que du coup, il met un peu plus de temps à les charger. Donc des fois, vous en loupez un. Vous voyez, là, je suis déjà passé dessus, qu'il l'a chargé quand j'étais en plein dessus. C'est ça qui est un peu relou. On va repasser en 60 juste pour les... Bah, vous voyez. Ah là 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 là. Bon, on va arriver au tout début du spawn. Je suis passé, voilà. Donc là, on est au tout début de tout à l'heure. On va juste aller chercher le petit Pokéstop tranquillement. Et là, vous voyez, on est revenu à notre spawn de base. Ah, oh, ça me saoule. Voilà. Mais comme on est là pour aller chercher des Magikarp, on va pas aller vers les... par là, il y en a, mais les spawns sont quand même beaucoup moins élevés. Je veux mon shiny, les gars, c'est tout ce que je veux. Bon, là, vous avez bien vu, de toute façon, hein, que on est vraiment sur un bon spawn à Magikarp. Maintenant, on va couper et on va se retrouver quasiment, je pense, à chaque fois qu'on en aura trouvé un, histoire de pouvoir trouver un shiny rapidement et pas vous faire non plus 3 heures de vidéo, parce que ça se trouve même dans 3 heures je l'aurai toujours pas. Si quelqu'un du coup va à ce spawn et qui trouve un shiny avant moi, n'hésitez pas à me le dire, les gars. Et du coup, si vous souhaitez également avoir la localisation de ce spawn à Magikarp, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous me dites voilà, je veux le spawn, je sais pas, et je vous l'envoie aussitôt. Si du coup vous en êtes content après, par la suite, que vous avez pu trouver pas mal de Magikarp vous aussi du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir. Je pense pas que je ferai beaucoup de vidéos Pokémon. Maintenant, si je vous trouve des spots comme ça, enfin des spawns pardon, comme ça à chaque fois, Je vais vous en faire, mais c'est pas sûr. Lui, il est bon, lui. Pourquoi je peux chercher avec lui, je sais pas. Je ne sais point. Là, on retourne vers les Pokéstop. Il n'y a pas l'air d'avoir de Magikarp, donc on va pas aller vers les Pokéstop. On va juste continuer notre petite route tranquillement. Et on se retrouve du coup à chaque Magikarp, les boys. Ouh, IV88. Pas mal. IV88, mais ce n'est pas un shiny. On n'aura pas notre shiny, les potes. Hein. On n'aura pas notre shiny, malheureusement. Hop, excusez-moi, j'ai un peu pris en retard, mais encore une fois, ce n'est pas un shiny. En plus, il me fait chier. Bon, tac tac. Et vous le voyez, hein, vraiment en très peu de temps, les gars. J'ai repris pas mal de Magikarp. Hein. Comme vous le voyez là, dans mes historiques de mes dernières actions,
Et tout ça en très peu de temps. Hein. Je sais pas si on a le temps dessus, mais regarde, c'est 18h19, 19, 18, 17, 17, 16, juste avant c'était 15, 13, 12, 11, 10, 9, 9, 7, 7, 6, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Enfin, voilà. Après, ça me le met aussi quand je le loupe. Donc, vu que je l'ai mis 3 fois. Mais bon, ça nous est arrivé peut-être une ou deux fois de le louper du premier coup. Donc, Et vous le voyez, on en a eu beaucoup. Bon, je viens d'y penser encore une fois. Je pense que je l'ai déjà dit en plus. Je vous laisse en lecture au cas où. Parce que là, j'ai vu que derrière, il y avait un Pokémon assez rare. Oh, attendez, il y a un Magikarp. Hein. Oh, il est derrière. Fait chier, flemme. Oh, il est pas loin. Allez, on y va. Ah, bah en plus. On en avait loupé un sur la route. Vous voyez, des fois, il suffit un pas en arrière, les gars, et puis vous en avez un qui spawn. C'est vraiment ouf. Encore un mangriffe ici. Il est shiny? Non. Il est pas shiny non plus. J'ai même pas envie de le prendre, ça me saoule. J'ai envie de le prendre. C'est 4 bonbons de plus, les gars. Faut pas cracher dessus. Dites-vous juste, vous en attrapez 100. Du coup, vous en avez. Vous avez 400 bonbons déjà. Juste en attrapant 100 Magikarp. Donc prenez-les tous. Prenez-les tous, faites pas comme moi. Il y a aussi un truc qui est bien sur ça, c'est bloquer les non-shiny. Donc tu peux voir s'ils sont shiny ou pas avant même. Non mais là il n'y en a aucun. J'en ai jamais attrapé comme ça encore un shiny avec ce truc, mais... Ah, il y a un Terra. Il y a un Terra pas loin. Il est où? Il est derrière encore? Non, mais sérieux. Une grosse flémingite aiguë. Bloqué non shiny. Pff, on prend quand même. Hein. C'est la vidéo, du coup, les gars, c'est le concept. Normalement, c'est voilà, on essaye d'avoir les Magikarp. Allez, s'il vous plaît, je veux un shiny. Je sens qu'il y en a un par là, là, je sens. Je sens pas que c'est toi, je le sens pas. Là, toi, mais quoi? Pourquoi il a disparu l'autre? On va le prendre et puis du coup on va prendre l'autre qui normalement va réapparaître. Quand je vous dis les gars, vous avez vraiment un Magikarp toutes les 30 secondes, une minute, grand maximum. C'est un truc de ouf. Je pense que en 2-3 heures, vous tapez facile les 400 bonbons, vraiment. Je vais jamais le trouver, les gars, mon shiny. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais jamais le trouver. On fera un live au pire. On fera un live à la recherche du shiny. Et en live, au moins, ça sera peut-être un peu moins long pour certains.
Là, c'est très 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 compliqué. Là, on ne trouve pas notre shiny, les potes. On ne trouve pas notre shiny et je pense que bah on va abandonner du coup. Je pense qu'on va abandonner. Déjà, je vous aurais donné ce petit endroit, un bon petit spot, bon petit spawn. Il faut que j'arrête. Oh. Un peu la même chose, mais... Hop, encore un magie. 86. On va peut-être tomber sur un 100 avant la fin. Je vais juste regarder un truc. Merde, je l'ai pas dégagé. C'est pas grave. Le temps d'aller là, on va pouvoir l'enlever. Vous voyez, hein, c'est vraiment ce petit tour là, vous le faites et puis quand vous avez rien à faire, vous allez chercher vos petits Magikarp bien tranquillement. Et votre petit shiny, si bien sûr vous l'avez avant moi, n'hésitez pas à me le dire les gars. Vous m'envoyez en DM Twitter ou vous l'écrivez dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à me partager ça. Bon, est-ce qu'on va avoir. On essaye d'en attraper encore un ou deux. Si on n'a pas de shiny, on s'arrêtera là. Je pense que. Ouais. Ça va être compliqué d'aller le chercher, notre petit shiny. Ça va être compliqué. Par là, souvent il y en a par là-bas. Et puis on va retourner à l'endroit où j'ai trouvé le Léviator hier. S'il n'y a pas un autre petit truc, c'est sympa. Et puis sinon je vais continuer mon petit tour hors vidéo, moi. Parce que je veux mon Magikarp Shiny. Ou on fera un petit live, comme j'avais dit plus tôt. On fera un petit live prochainement à la recherche du Shiny. J'ai pas l'impression que c'est pour aujourd'hui. Pourtant, on en a encore attrapé pas mal. Hein. J'en ai attrapé pas mal avec vous là déjà. Et malheureusement, bah. 0-0, je sais pas pourquoi il y a des trucs qui tournent. Ah, c'est pas par rapport à la météo. Si, c'est le bonus météo, je crois. Allez. Non, et bah ça va pas être pour aujourd'hui. Ah, je l'aurais bien fait évoluer là mon petit shiny malheureusement, mais bon, tant pis. Hein. Bon, si sur ces deux-là on en a pas, je pense qu'on peut arrêter. De toute façon, celui-là déjà on sait qu'on en a pas. Celui-là, on n'en a pas non plus.
Aïe aïe aïe. Ah, c'est triste. Lui, on va le prendre quand même. Je crois qu'on peut le faire évoluer. Ah, mais il est nul. Ah non, on peut le faire changer de forme. Bon allez, notre dernier petit Magikarp. On cherche le dernier, les gars. Qui va être par là encore, hein, comme d'habitude à peu près, je pense. Et non. Il est pas là. Ah, c'est triste. Ah, c'est triste. Ah, on a tous envie de pleurer devant cet échec. Allez, on va tenter un dernier échec. Ouais, je vais pas réussir à m'arrêter, je veux ce shiny. Mais en tout cas les gars, baladez-vous ici. Envoyez-moi un petit message si vous voulez, un commentaire. Voilà, vous dites en commentaire si vous voulez le spot. Le spawn, pardon. Bon, vous le voyez même en fait, hein, depuis tout à l'heure, à chaque fois que je clique, ça vous met à peu près l'endroit où je suis. Mais si vous voulez que je l'envoie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Je pourrais pas vous dire la ville exacte, je sais pas où c'est, mais... Mais je pourrais vous envoyer les coordonnées, parce que on est là, hein, à peu près. Je peux pas vous dire où c'est, moi. Taipei, il y a des très bons. Ici, en fait, souvent, il y a souvent des 100% sur cette petite île là, Taïwan. Ici, là où je suis. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez l'endroit exact, je vous l'enverrai, il n'y a aucun problème les gars, si vous n'arrivez pas à le trouver par vous-même ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Et comme je vous ai dit, lâchez un petit like si ça vous a aidé à trouver vos Magikarp, abonnez-vous. Et nous, on va se prendre le petit dernier, qui ne sera pas Shiny. Bien. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Mais on peut pas avoir des shiny à tous les coups non plus. Hein. C'est qui le dernier qu'on a eu en shiny? Après, j'en ai pas énorme moi des shiny. J'en ai 3 ou 4, je crois. Le dernier, c'est Machoke. En IV86 en plus, on a eu de la chance quand même. Parce qu'il est bon. 86, c'est pas non plus dégueulasse. Merde. Bon bah les gars, sur cet échec, on va se laisser. Hein. On va se laisser et puis on ira à la recherche du shiny en live. N'hésitez pas à me dire les gars, si vous voulez que je vous trouve d'autres spawns. Voilà, vous me dites et puis j'essaierai d'aller vous chercher ça, d'aller vous chercher ça gentiment. Moi, je vais juste retourner à mon arène, voir mon Pokémon et puis on va se laisser là. Il est toujours dedans. Il est toujours dedans. Oh. Je crois que j'en ai un déjà. Ouais, je crois que j'en ai un. Après, si vous voulez des Pika, faut aller à Saragosse en Espagne, les Pikachu. Mais bon, les Pikachu, je pense que tout le monde maintenant, enfin, il n'y a plus grand monde qui veut des spawns à Pikachu, mais c'est vrai que les spawns à Magikarp, comme ils viennent rares, je me suis dit, ça peut toujours
intéresser certaines personnes. Moi, c'est vrai que je suis le genre de personne qui cherche du coup les spawns. Et j'ai jamais vu encore quelqu'un réussir à me trouver un spawn de Magikarp. Alors que j'en cherchais un. Je cherche également un spawn de Mini Draco. Donc si quelqu'un a, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, je vais me mettre à la recherche très rapidement maintenant. Que je sais qu'il y a des spawns. Parce qu'avant, je me disais, bon, bah, c'est un peu aléatoire. Mais là, non, il n'y a rien d'aléatoire. Hein, c'est. Tu fais 30 mètres, 100 mètres, t'as un Magikarp. Et voilà, mesdames et messieurs, bah sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous disais, j'essaierai d'aller vous chercher plus tard d'autres spawns, des spawns intéressants quand même, hein. Je vais pas vous prendre des spawns à Ratata ou des spawns à Rockool, y a rien d'intéressant là-dedans. Mais voilà, je vais essayer de vous chercher ça gentiment. Et puis voilà. Bon, sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, lâchez le petit like, commentaire, abonnez-vous. Et je vous fais des bisous. Allez, à la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.